Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire si votre MacBook ne démarre plus. La première chose à faire, c'est de faire un diagnostic de votre matériel. Pour ce faire, avant d'allumer le Mac, vous allez maintenir la touche D appuyée ou, suivant le modèle, Alt D. Donc vous le maintenez appuyé, vous démarrez votre Mac. Vous avez donc l'Internet Recovery qui s'affiche. Il vous demande de choisir un réseau Wi-Fi. Vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Vous choisissez la langue. Des tests hardware, et donc il suffira de cliquer ici sur tester. Après, si vous avez du temps, moi je vous conseille de cocher en dessous effectuer un test étendu. Faut compter à peu près 2 heures de mémoire, et il va donc tester tout le matériel. Si vous avez une erreur d'un composant, il sera affiché ici. Si vous n'avez pas d'erreur, mais que votre Mac ne démarre pas, bloque sur la pomme, moi je vous conseille de déconnecter les barrettes mémoire, d'en essayer une, et voir si le problème ne vient pas de là. Parce que ce Mac refusait de démarrer, et en enlevant une barrette mémoire, en fait c'était une barrette mémoire défectueuse qui n'avait pas été détectée lors du test. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt!